Nous allons gratter, nous allons regarder comment la situation est dans la commune ça et pour nous discuter autour de ça. Donc, il est plaisir pour recevoir sous antenne nous un habitant gratter, c'est Léo de Pizo Bien-Aimé. Pizo, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour tout le monde sur panel là, tout auditeur et auditrice qui a écouté la radio. Monsieur Bien-Aimé, Monsieur Bien-Aimé, bon, nous tenons ça dit l'actualité, nous parler avec des sources qui se sont passées bien et mais c'est une fois qu'il y a un monde qui parle avec nous on the record et en interview à la radio. Prenez-nous, non, menez-nous Gatier et si la regarde ce matin, ça la pourrait. Bon, son question pour me dire, si dans les gantiers matin, qui ça n'a pas, n'a pas une destruction totale, n'a pas une catastrophe et dévastatrice, n'a pas une disparition de villa qui est totalement rasée par sa nouvelle une violence politique, une violence criminelle et que gang est instrumentalisé par tout un mécanisme de politique qui rend la population gantia aux abois. Il n'y a pas qu'on est qui s'est brûlé parce que depuis la date 21 juillet 2024 là, ça fait cinquième grande attaque et que moun gantia victime en bas main groupe gang qui revendiquait action, c'est groupe gang 400 Marozoa, qui n'a quoi des bouquets. Quoi des bouquets, c'est arrondissement qui n'a département l'Ouest là, qui gagne cinq communes là-dedans, dont commune Gantier. La première grande attaque, capable de dire commune Gantier était victime, c'était attaque qui était faite 2 décembre 2022, qui était conduit à l'assassinat policier BLDS, Lincoln Bien-Aimé, nous songeons l'histoire ça très bien. De décembre 2022 et que chat et qui fait transport Gantier quoi des bouquets policier ça qui pas accepté entrer dans corruption qui gagne en chat il était assassiné depuis là nous te comprenons gang 400 Marozo voulons un signal clair par la population Gantier ça va le faire puis réattaquer ville là encore en décembre 2023 15 ou 19, ils ont tué 5 personnes dans le jour ça, ils ont boulé en pile caille. Ça, c'est deuxième grande attaque violente et criminelle. Ils ont réattaqué Villa dans la date 7-8 mars 2024. Côté en pile panique, en pile déblosaille, tout le monde a couru quitter la caille. Ils ont fait des attaques très violentes. C'est là ça a été fait première tentative au grand commissariat, mais ils ont joué des ripostes. Qui fait yo tat yo retourné et ça vient faire déployer l'autre stratégie pour arriver vient faire l'autre attaque 21 juillet 2024 là 24 mars 2024 yo te mette diffé fait tentative ou prend commissariat encore yo te joindre riposte yo pas arrivé faire ça mais malheureusement côté nous pas souhaité arriver c'est là nous arriver justement 21 juillet 2024 yo font dernière grande attaque violente, criminelle, côté 20 moun perdu la vie. Là, nous dit 20 moun, non, c'est 20 moun, population rivée repérée, 20 moun nous rivée recensée. Toutefois, faut que nous précisions qu'il y a des moun, c'est chien qui mangeait dans la caillou. On prend le cas de moun qui a mobilité réduite, qui n'est pas capable de courir pour bandit. Ils ont été dans la caillou, grand coup tué, c'est chien qui mangeait. Il y a un pile moun qui portait disparu tout, nous pas jamais qu'à jouer une trace, nous pas jamais qu'à compter, yo passé. Dans ce sens-là, nous-mêmes, Gantiwa, nous avons une association qui formait, qui est l'Association Union pour le progrès et l'avancement de Gantier, qui est basée dans la diaspora en France. Il y a des actions y a mené déjà pour te réfléchir sur ensemble problème social, politique, environnemental, économique, Villa a fait face déjà. Malheureusement, je dis à nous retrouver nous devant catastrophe sans pareil ça. Dans nos associations, ça, nous voyons sympathie nous bail toute famille Gantier qui est victime de situation. Nous disons aucun béla. Nous comprenons à quel niveau et que situation ça a affecté.
En fait. Moi, ben sans pour m'entendre, merci parce que vous partagez observation ça et malgré que dans des détails et ce soir là tout à l'heure, et de là dit au moins 20 monde qui mourent selon sa population documentée, son razzia, si j'ai bien compris, c'est pas seulement et commissariat, yo attaqué, est-ce que yo attaqué et détruit l'école, est-ce que yo attaqué les infrastructures qui fournissent des services à la population, d'un coup de l'eau potable, mais maintenant, aspect ça, pour regarder le cadre physique de la ville et impact attaque ça, bien sûr, monsieur bien-aimé. Dans le moment on a parlé, on a fini by toutes données. 20 moun nous dit nous recenser nos populations qui disparaissent, qui mourent, et après attaque violente, criminelle, bandit. Ça a suscité tout, de l'autre côté, déplacement, 30 000 moun environ dans la population. Et 90% dans le monde, ça, selon une enquête nous-mêmes dans niveau UPAC nous menons. Les nappes des témoignages que vous faites, vous n'avez pas gain eau potable, j'en dis, vous n'avez pas gain côté pour vous arrêter, vous n'avez pas gain soins de santé, timoun, femme enceinte, personne handicapée, tout le monde ça vous vient trouver une situation de vulnérabilité extrême parce que crise violente, criminelle là, pata et suscité, c'est un bagage qui sans nom. Et nous venons constater tout, qu'il y a une espèce de dignité mounio très très menacée parce que c'est des mouns qui étaient dans le caillou, c'est des mouns qui étaient convaincus à l'activité au jour le jour. Et puis un bon matin, moun a levé, bandit pillé, crasé, boule caillou, yo dans la rue, yo pas contre qui côté. Les gens moun dans rage, yo dormi. Les gens, c'est dans l'école nationale font parisien, ils ont réfugié. Les gens, c'est dans la rue Jamdia, c'est dans quelques vieux anciens hôtels qui étaient font parisien, ils ont logé. Par exemple, Estofa Beach, c'était une plage qui était gagnée en l'air, qui était gagnée hôtel sous lit. Parce qu'avec montée de l'eau, la Casio et espace ça descend, c'est presque détruit. Gen Mounio, c'est là où loger. Mounio, vraiment, dans la situation difficile et compliquée. Gantier Kounia, là, tout n'est un véritable désert. Nègre 400 Marozo, était surtout ciblé institution qui représentait l'État dans la zone, là. Yo brûlé la douane. Yo totalement rasé commissariat de police, là. Yo boulé carrément pile moun. Moi-même, quand parle à voilà, yo boule la caille, moi. Yo boule caille en pile moun. En fait, Kounia, yo toujours occupé espace là. Kounia, pour un moun à l'égantier, n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Ou capable, moun qui faufile rentrer, qui a fait une petite observation rapide, li, c'est ça qui fait difficile pour nous mettre un chiffre sur quantité caille qui boule. Et nèg continue prend zone en otage, pas gain rien qui fait absolument rien, c'est ça que fait n'a plan son appel by l'État haïtien nous supposé qui négligeait Gantier dans sa passé parce que nous constater hormis quelques radios qui ba nous tant Magique 9 te by possibilité pour ancien magistrat font y parler de questions hein. Gain l'autre média qui te font parler mais gain volonté manifeste bon côté l'État haïtien pour négliger zone là qui a fait face à une crise extrême dans le niveau que l'IA là. Nous condamnons à toute force le silencement ça sous zone là. Permettez-moi d'interrompre sur partie ça, nous pouvons retourner sur tout à l'heure. Et après les événements du 21 juillet et. Magique 9, toute nouvelle sans stress. Sous 100.9. Actualité, enquête, analyse. Oui, je suis là. Robinson, Allô? où est-ce que le téléphone est sous mute, Robinson? Quel est son parent au cours de mettre le sous mute? Oh, ok, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oui, merci, merci beaucoup, Dani. N'a pas retourné sur d'autres aspects ou évoqués là dans l'interview. Maintenant, après les événements du 21 juillet, et la police qui a annoncé qu'il y a une opération à Gantier, et sous ces, nous parlons avec une ville là, rapporté, nous avons près d'une centaine d'hommes et Kenyans et la police qui est arrivée avec environ 8 à 9 blindés qui étaient mobilisés dans le cadre et opération. Ça et comment la population a apprécié réponse et force de l'audio par rapport à attaque qui était intensifiée le 21 juillet dernier, monsieur bien-aimé. Population comprend
réponse entre guillemets, n'a mettez plusieurs guillemets derrière ça ou les réponses là, parce que pas une réponse qui potait. C'est surtout une scène de démagogie et ils ont monté en royal fer. Et l'aime a parlé de, l'aime dit Yoram voulait parler de policiers kenyans, parce que le sous l'article Miami Herald publié après présence policier ça au bois, on prend nous compte, nous prend dans une espèce d'engrenage de démagogie. Parce que monsieur policier a déclaré, même chef mission a déclaré que y a pas de gain côté pour yo dormir, y a pas de gain moyen pour yo manger, c'est ça qui fait yo pas arrêté en l'air. Et yo te font deuxième tentative montée, yo bat bas devant gang yo. Ça veut dire pas gagné, sacré les réponses là, pas gagné véritablement, nous pas qu'à parler de réponses, parce que si t'as une réponse qui t'a bail, l'étape concrète, l'étape tangible, tout le monde t'a constaté, tout le monde t'a voué, tout le monde t'a qu'à parler de lui. Moi, observé dans la situation ça, capacité, autorité dans l'État haïtien gagné pour bail menti à une situation de crise. Moi-même, l'aime à analyser en profondeur ça qui a passé là, je pensais, question pas, il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup plus enjeu là-dedans. C'est pas une simple question de petit vagabond avec sa patte qui voulait terroriser une population, qui voulait s'y mettre terreur, qui voulait s'y mettre violence pour faire mon peur. Je pense qu'il y a plus enjeu que ça. Souvent, mon titan m'a essayé S'il vous plaît, d'expliquer s'il vous plaît, ça qu'a s'il vous passé. plaît, s'il vous plaît. Premier enjeu qui vient dans ça, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu économique et il y a de l'autre enjeu là-dedans. Si on prend en compte position géographique Gantier. Gantier, c'est une ville frontalière, c'est lui qui vis-à-vis avec la République dominicaine, qui c'est pays limitrophe à Haïti. Si on regarde historiquement comment il a été délaissé commune, on apprend nous compte ça qui a passé Gantier là, il n'est pas innocent. Qui ça n'a pas avancé? Moi-même, c'est dans l'histoire. Moi, j'essaie de chercher à comprendre ce qui passe là. M'a évoqué quelques hypothèses là pour nous essayer de circonscrire la situation là, historiquement pour nous voir que c'est pas un bagage qui est innocent. N'a pas retourné en 1994 Robinson. En 1994, moi, j'étais Timoun. Les m'a grandi, Gantier, j'étais tout petit. C'est l'époque qui t'a gagné une mission Nations Unies qui était MINUA. Yo, qui s'est passé? L'UNIA, gagné zone Gantier à Padès, cimetière là, l'opéra le prend étant sur mat là. L'UNIA toujours passé dans haut-parleur, en série de messages. Des timoun même toujours songer messages. Nous t'es même qu'on fait chanter avec messages ça. Yo dit, attention, attention, pas passer dans zone l'étang Soma là. Yo pas de cas dit étang Somat. Vous connaissez étrangers, oui, ou pas forcément maîtriser la langue. Ils disent dans la zone l'état Somala, pral gagner gros danger, habitants pas faire zone, etc., etc. Et puis, après un certain temps, nous tentons une série de gros bruits qu'a fait, et gros bruits ça, non plus tard ou bien dans le lendemain, nous gardons, nous, ouais, gros camions en berne, Nations Unies qui a passé avec de gros pile poussière, pile roche, je descends avec. Et puis, je me j'ai un paysan qui était venu avec papa, mais il a discuté sous situation. Et puis, paysan dit, ah, mon cher, c'est blanc qui vient ramasser l'eau. Ça m'a dit, là, c'est des hypothèses que m'a formulées, mais l'ENAP prend événement, ensemble événement qui produit depuis 1994 à Jodia, pour nous arriver là, n'a prendre nous compte, c'est par une simple volonté de la part de gangs pour y mettre si mes terreurs, si mes criminalités, comme ça, dans la population. Ça, c'est une première hypothèse pour nous montrer ressources, yo dit qui gagne dans Gantier, nous pas de moyens vrais techniques pour nous justifier, yo. Mais si nous regardons ensemble événements, nous sommes capables de dire question ça, yo vraisemblable. Deuxième événement qui passait, c'est en 2010, il y a un conflit terrien qui était éclaté Gantier, dans la même zone, côté et agent minier te kon mené opération Sahel Mabdoula. Conflit terrien ça t'a même conduit à arrestation ancien magistrat qui t'a parlé dans Magique 9 récemment. C'est après 2 3 4 5 ans n'a pas comprendre conflit terrien nous vient tenter des informations et que conflit terrien ça t'a gagné des gros chabrak international et qui joignent des acteurs nationaux spoliateurs qui joignent avec eux qui gagne mise dans ça que t'as fait là. Laisse à paysan Gantier, t'es
censé faire gros manifestations, faire de gros ripostes. Et même gen moun mouri dans cette période-là. Après ça, on a attendu gen kouch a brak l'international qui même qu'on mettait bouche toute longueur dans l'action politique pays a, même participer dans imposer pays a président qui était impliqué qu'a récupérer terrain ça. Ça son deuxième événement qui passait en 2010, en mai 2010. En 2014, gen yon pasteur qui était venu faire c'est pasteur Muscadin. Pour ne pas confondre avec le commissaire Muscadin et l'autre bois, qui devine faire l'église, l'église Shalom, yo t'a pas le fait d'entier. Yo fait pasteur à quitter espace là, l'État haïtien, l'homme dit yo, l'État haïtien fait pasteur à quitter espace là en 2014. C'est tout de suite après, n'a pas eu d'informations que zone côté pasteur t'a pas établi l'église là, c'est zone ça, yo dit, il y a un pétrole là-dedans. Et ça, gagne un journaliste, Yvenay Joseph, dans date 28 septembre 2022, qui bat Télé Métropole, une interview. À partir de 17 minutes 20 secondes, ou attendez Yvenay qui a décrit situation, hein. L'a dit, si vous voulez prendre Yvenay au mot, lui, tape travail dans le bureau d'Amine. Il a constaté un gisement de pétrole là. Là, exactement, parce que si vous attendez l'interview, hein, monsieur cité nom des autorités, dans l'époque là, il était fait ou touché, ça a relé l'or noir en Haïti. Il était cité nom Jean Arisséan, il cité nom Thierry Mariapol, il cité nom Godson Aurelius, qui c'est des autorités dans l'État haïtien, il dit qu'il était fait ou touché l'or. Et il y a une compagnie américaine qui relait Parrot Mining, qui montrer leur monter sous site ou après côté yo dit à exploiter ça aurait les calcium dans fond parisien. Fond parisien c'est espace côté ouais moun yo à réfugié yo venez je dis. L'un prend ensemble événement ça yo ensemble fait ça yo. M'a analysé violence criminelle gang yo met en place là. M'a pas fond analyse au premier degré pour me dire, ah, c'est des trois petits vagabonds qui besoin s'y mettre la terre. Moi, penser ensemble en jeu, ça, c'est des enjeux pour nous prendre en considération. Ce que n'a pas souhaité et Robinson, c'est que n'a pas tant nous là, pas longtemps, gagné à bien pour arriver fonds parisiens. C'est vrai, position géographique fonds parisiens fait, il est un peu difficile pour y arriver parce que fonds parisiens borné au nord, avec l'Acla. Au sud, c'est un point dans le massif de la Sella, qui gagne un département sud-est là, ou capable c'est quoi le département sud-est là. Et puis, à l'est, c'est République dominicaine. Au nord, c'est Kouadebouké. Et avant d'entrer fonds parisien, l'on a sorti Kouadebouké, ou sous une quitte Gantier, gagne l'autre gros, vaste montagne. Et c'est ça qui fait il est un peu difficile pour gagner d'arriver fonds parisien. Mais, dans ce cap marché là, pas de volonté politique pour freiner. Moi, je débat tout ça. Maintenant, qui me pose une dernière question avant, moi, remercier. Au moins, attendez, et monsieur qui chef gang.